Quel est le réflexe à avoir en cas de symptômes de la COVID-19? Aujourd'hui, COVID est là. Bon, quand tu es malade, tu te rends dans un centre de santé. Ça, c'est une affaire normale. Maintenant, arrivé là-bas, si on te dit c'est COVID-19, et que ce qu'il y a à faire, tu fais. Mais si c'est pas COVID-19, tu passes. Quand tu sens cela, pour moi, il faut, s'il y a un dispensaire proche, il faut aller, ou bien s'il y a un coin de COVID à côté pour un examen, voilà, il faut le faire, c'est important. Aussi, quand on constate que ça ne va pas, on va se faire dépister dans un centre de santé le plus proche pour voir si on a le COVID, on a le virus ou pas. La première réaction, c'est de se rendre dans un centre de santé afin de nous faire consulter par les agents de santé. Mais il faut te rendre directement au centre de COVID-19 pour aller te faire examiner. Parce que ce n'est pas forcément que tu as ça, mais il faut te faire d'abord examiner pour que tu puisses savoir si c'est ça ou pas. Bon, on se rend dans un centre de santé le plus proche ou bien dans le centre de dépistage de la COVID-19 pour voir si, son état. Voilà. Pour une prise en charge rapide de la COVID-19, en cas de symptômes tels que la fièvre, la toux, la fatigue, la perte du goût et de l'odorat, il faut mettre masque et se rendre dans le centre de santé le plus proche ou mettre masque et se rendre dans un centre d'accueil COVID-19 pour se faire dépister. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.